D'abord, est-ce que publier est une finalité pour l'écrivain? Moi, j'écris, je note, je raille aussi, je raille beaucoup. Il faut savoir perdre du temps, enfin le temps de l'horloge, pour parvenir à son temps personnel. Et puis, il faut se concentrer, se regrouper, se ramasser. Et c'est là qu'il peut se produire quelque chose. En ce qui me concerne, j'ai perdu du temps. J'ai perdu du sens. By sense, does he mean meaning? Yes, meaning. Il arrive un moment où il faut ramener le multiple à l'unique. C'est celui où on décide de rendre définitif un état encore provisoire. Et ce choix est toujours dramatique, mais... On s'apercevoir un jour que c'est raté. Car moi, j'aurai toujours ce que je fais. Mais quel est l'écrivain qui arrive un peu à dire ce qu'il voulait? I seem to have taken over your whole apartment. Monsieur Procoche ne parle pas français, mais il le comprend. Il dit qu'il s'excuse d'avoir envahi votre appartement. Ah, mais il me dérange pas du tout, au contraire. Dites-lui que je suis très fière qu'on s'intéresse encore à l'art de Paul. Il y a celui de Pierre, bien sûr. The least I can do. Out of print, out of mind. Je crois qu'il dit qu'on les a un peu vite oubliés. Et quel est le nom de cette revue, monsieur Procoche, qui vous a fait traverser les océans? Ah, The Long Silence. Le grand silence, mais je crois qu'il n'a pas compris, parce que le grand silence est le titre de son article. I'm doing a piece on blocked writers. Il dit, je fais une enquête sur les écrivains qui n'ont pas écrit depuis longtemps. 6 years. Mais ils écrivent tout le temps. Oui, mais ils ne publient pas. Eh bien justement, ma chérie, c'est là où on en était. A while back, you said a writer has a 24-hour workday and that all of it... C'est ça, vous ne pouvez définir sa position par rapport à sa vie dans son ensemble, y compris son sommeil et ses rêves. D'une façon générale, il s'agit d'une connaissance du corps. Les rapports qu'un écrivain entretient avec ses sens, son odorat, son toucher, et surtout avec sa sexualité. Il n'y a pas de certitude, pas de thèse. Croire que le romancier a quelque chose à dire et qu'il cherche ensuite comment le dire, c'est un contresens. Parce que c'est justement ce comment qui compte. Bah alors, quelle angoisse. N'avoir rien à dire. Vous savez, ce n'est pas toujours facile de passer pour improductif, inutile. Moi, c'est ça, je veux être l'inutile, l'excédent, le surplus. Le surplus. Eh bien, celle qui produit vous a préparé ça. So what is the function of the creative person? I mean, why do you write? Mais quelle est la fonction de l'artiste? Enfin, pourquoi écrivez-vous? Peut-être pour mieux vivre. Tu parles! Vous vivez comme des chiens!